Allez, bonjour. C'est Fred, votre coach pour ce mois d'avril. Après Clément au mois de mars, me revoici avec vous pour continuer le travail sur le bas du corps. Mars, c'est fait. Avril, mai, on va englober les deux sur le galbe musculaire. On prépare l'été, galbe, définition musculaire. Donc avec Clément, on va englober les deux. On va préparer un petit peu l'été. Moi, je m'attarde sur un petit peu plus le galbe musculaire sur ce mois d'avril. Aujourd'hui, cuisses, abdos, fessiers, et on verra la suite. Aujourd'hui, cuisses, abdos, fessiers, donc vous avez besoin de rien pour les cuisses. Le tapis, le canapé si vous trichez avec Clément, vous allez voir. Allez, venez, on rentre dans le travail. Un petit aperçu, et vous allez ressentir. Aujourd'hui, je vais m'attarder un petit peu plus sur des petits, de courtes séries. Petits, statiques. Plusieurs exercices à la suite, mais de la pause. Venez vous placer. Je répète souvent, du bas jusqu'au haut. Serré. Ouais. Pour l'échauffement, 4, 3, lent, 2 et 2. En bas, en haut et en haut. Rentrez dans ce travail de cuisses et de fessiers. En bas, en haut, en haut. En bas, oui, encore, bien sûr, on vient de commencer. En bas. Assez rapidement, je suis en train de me rappeler d'une petite anecdote. Mon collègue qui disait, je mets de l'amplitude, comme ça, ça obligera Fred à le faire. Ben, on y est. Ça y est, l'amplitude. 4. Ouais. Et plus vous avez d'amplitude, plus ça va travailler sur vos fessiers. C'est bon, ça. Un petit aperçu de ce qui va se passer aujourd'hui. Descendez, restez bloqué. Stop. Droit. Je vous le répéterai souvent, ça. Ouais. Allez, que 4. Que 3. Que 2. Remontez. Lent, rapide. Lent, 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 repoussé. Là, pour préparer la suite, je vous demande d'engager les abdos en les serrant sur la phase de poussée rapide. Inverser, rapide et lent. Stop. Et remontez. Stop. Et remontez. Stop. Un deuxième et dernier aperçu. Petit, en bas. Petit, petit, petit. Derrière ça, vous allez vraiment attaquer le travail. Allez, nickel. 4, 3, 2, stop. Secouez les jambes, secouez un peu les muscles. Allez, on attaque le travail. Plusieurs exercices, plusieurs pauses. Par contre, on congestionne un petit peu. On reste sous tension musculaire pour congestionner, pour sentir, pour définir, pour galber le muscle, tout simplement. Squat normal. Avec moi, 2 et 2. En bas, en haut, en haut. Allez, nickel. Ce que je veux dans l'immédiat, c'est se redresser. C'est serrer les abdos, c'est pousser dans les talons. Ouais. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est venir mettre de l'amplitude. En bas, en haut. Le mois dernier, vous avez peut-être triché avec Clément, vous avez posé les fesses sur le canapé. Mais nous, non, on n'a pas besoin. Par contre, on va plus bas que le canapé. On descend. Allez, encore. 4. Ça, ça me va. 3. 2. Vous êtes parti pour 30 secondes. 30 secondes, vous allez sentir le bas du corps. 30 secondes, descendez. Stop. En bas. En haut. 30 secondes statique. 30 secondes et petit. 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 Sur ces 30 secondes, ça fait 1. Ça fait 10 secondes. Restez bloqué. 2. Deuxième 10 secondes. Stop, sans bouger. Vous pouvez, si c'est dur, maintenant, plus tard, ça me va, hein. Petit, tant que vous restez l'entraînement, ça me va. Il n'y a pas de souci. Il vous en reste un troisième. Mettre de profil, restez bloqué. Stop. En bas, en haut, comme tout d'habitude. Petit. Et là, vous devez commencer à sentir, vite fait. 5, 6, 7, 8, stop. Secouez. Plusieurs exercices, plusieurs pauses aussi. Ça va commencer à serrer ici, c'est normal. Maintenant, on met l'accent un petit peu plus sur le fessier en écrasant tout dans les talons. Replacez-vous. Genoux. Abdos. Buste. Fier. Fier de ces muscles qui travaillent, qui changent. Ouais, on est content. 2 et 2. En bas. En bas. Oui.
en bas. Nickel. Nous, on vise le canapé sans poser les fesses dessus. Encore. 4. 3. Si la vélo est un petit peu dur, le travail est un petit peu dur, vous ralentissez, vous y revenez. Stop en bas les 30 secondes. N'hésitez pas à le faire plusieurs fois, à respecter votre progression pour ressentir votre travail. Petit. Ouais. Ah, nickel, 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 nickel. Ça, ça fait 10 secondes sur 30. Stop. Qu'est-ce qui se passe? On est à la limite de déséquilibre pour cibler l'arrière, même si on le sent là. Allez, petit, petit, petit. Allez, encore. 4, 3, 2. Stop, une troisième fois. Oui. Nickel, nickel. Allez, donnez-moi les petits. Petit, petit, petit. Allez, pour 4, 3, 2. Stop, relâche et tout. Ça fait 2, jamais 203. Secouez, profitez-en pour récupérer. Récupération active en secouant vos muscles, en buvant aussi si vous avez besoin. Il n'y a pas de souci. On fait la dernière fois, une dernière fois la même chose, avant de travailler du fessier debout. Allez, classique, ici. Droit, grand fier. Regardez-moi. 4, 3, allez, 2 et 2. En bas, en bas. Eh oh. Oui, eh oh. Ça fait du bien dans les jambes. Allez, encore. Eh oh. 4 fois. Nickel. Dynamite. Ouais, ça devient de la dynamite à force de travailler. Ça devient solide. 30 secondes. Vous savez ce qui vous attend? Montrez-moi. Montrez-moi à travers l'écran. Choisissez. Petit. Et si jamais ça chauffe un petit peu dans les jambes, qu'est-ce qu'on dit? Stop. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça chauffe un peu. Je vous le confirme. Petit. Ah, nickel. 4, 3. Il vous reste encore une série. Restez bloqué. Stop. On termine? On termine? Petit. Allez, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ne lâchez pas maintenant. 4, 3, 2, 1. Ok. Vous avez commencé par du squat, un peu de fessier avec un rappel de jambes. On reviendra sur un peu de squat et on ira au sol. Ici, je veux un travail de la jambe gauche, statique, un travail du fessier, moyen fessier, grand fessier. Élévation latérale, élévation vers l'arrière. Jambe gauche, on se grandit. Jambe droite, single, côté, derrière, côté, derrière. Ça, c'est pour débuter. Côté, derrière, moyen fessier, grand fessier. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, jambe d'appui fléchie. Jambe, travail de cuisse. Troisième chose, abdos serrés. Tout ça. Ok, de petites séries. Petit, petit, petit. Si vous perdez l'équilibre, touchez le sol. Si vous y arrivez, ici, pas de problème. 4, 3, transformez en grand fessier. Petit, petit. Encore plus en serrant les abdos pour ne pas accentuer votre dos. La cambrure. Allez, 4, 3, c'est serré. Ouais. 5, 6, 7, 8, relâchez. Ouais, secouez, récupérative. 10 secondes, même pas. De l'autre côté, pareil. Jambe droite, droit, grand, fier, fort. 5, 6, 7, 8, hop, hop, loin, loin. Plus vous arrivez à mettre de l'amplitude sans bouger, meilleur sera votre travail. Encore 10 secondes, 8, oui, ça va chauffer là, là et là, c'est normal, c'est normal. 4, 3, 2, petit ici, petit. Petit, petit. Restez le maximum droit. Ça, c'est pour vos abdos. Et essayez de monter votre jambe. Si vous avez besoin, il n'y a pas de souci. 4, 3, 2, 1. Vers l'arrière. Petit, petit,
de petits programmes fessiers pour pousser le canapé, on n'en a même pas besoin sur les squats nous. On est plus fort, on s'endurcit, ça devient puissant, on a plus besoin de poser les fesses sur le canapé. 4, 3, 2, allez stop. On refait encore une fois de chaque côté. Ouais, secouez. Une fois de chaque côté. Et on revient une dernière fois sur les cuisses, sur les squats. Maintenant, placez-vous. 4, 3, 2, allez go. Vous savez ce qui se passe. Vous savez comment le faire. Côté, derrière, côté, derrière, côté, et derrière. Encore 8. Là, ce que j'aimerais, si jamais c'était peut-être un poil facile, c'est de se rapprocher un peu plus du sol pour travailler sur la jambe d'appui. Vous pouvez le faire ça ou pas? Petit, côté, petit, 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 ouais, petit, petit, encore, 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 encore. Cherchez votre stabilité en écrasant le talon. Petit, 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 vers l'arrière, petit. Là, je vous demande toujours de serrer les abdos fort. Ça coupe presque la respiration. C'est bon? 4, 3, 2, 1. Ok! Il nous reste encore un côté à faire. On en profite. On vient se placer. On se grandit. 4, 3, 2, à vous de jouer. Côté. Derrière. Côté. Derrière. Ouais. Allez. Qu'est-ce qui se passe? On le sent? On le sent? On sent un petit peu mieux? 7, 6, 5, 4, 3, 2. Petit sur le côté. Petit. Essayez de pousser les fesses vers l'avant. Un bel alignement ici pour le moyen fessier. Petit, petit, petit. 4, 3, 2, petit vers l'arrière, petit. Allez, finissez. Finissez ce premier travail de fessier. Il nous reste un rappel sur les cuisses. Et on finit dans le sol. 4, 3, 2. Ok, relâchez. Squat. On vient une dernière fois sur les squats. Vous m'ouvrez les jambes pour venir cibler toujours le moyen fessier sur vos squats. Vous me poussez le genou sur le côté. Au niveau sécurité, hanche, genou, pointe de pied alignée. Maintenant, ça travaille aussi sur le moyen fessier. Sécurité, efficacité. Nickel. Droit. 2 et 2. Allez, go. En bas. Et en haut. En bas. Ça nous permet de pouvoir descendre. En bas. En bas. En haut. En haut. En bas. Encore, encore, encore. Encore. Ouais, encore. C'est la première vidéo du mois. On a le temps de compliquer l'exercice. On a le temps d'endurcir. Donc prenez l'amplitude et prenez le temps. 30 secondes. 30 secondes. Allez, go. Stop. Les genoux. Ouais. Les petits. Petit. 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 4. 3. Deuxième. Sur 3. Stop. Ou stop. Stop. Quel est votre niveau? Petit. Voilà. On le fait une troisième fois, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, restez bloqué. Stop. Allez, on essaie de se redresser. Nickel. Nickel. Nickel, petit. Allez. 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 4, 3, 2, et 1. Vous l'avez fait, bravo, bon travail. Secouez. Je vous propose de continuer sur le grand fessier en allant chercher votre tapis. Hop, il apparaît. Venez vous coucher sur le dos. Travail du grand fessier. Ici, allongé sur le dos. Genou, pointe talon, talon dans le sol. Ok. Lentement, serrez les abdos. Même si c'est un travail de fessier, serrez les abdos. Aspirez le nombril. Ensuite, on monte, on monte, on descend, loin, loin, travail du fessier, du grand fessier. Puisqu'on est sur le travail du grand fessier, puisqu'on a travaillé sur galbe musculaire, définition, ne touchez plus le sol. En haut, en haut. Pourquoi?
pour rester en tension musculaire, pour rester en permanence contracté. Comme ce que vous avez fait avant, plein de petites séries, des petits, du statique, le muscle était toujours contracté, toujours en tension musculaire, donc il devenait plus fort, plus rond, plus joli. Allez, on repart pour les 30 secondes. Montez bloqué. Stop. De l'amplitude. Vous êtes en train d'écraser vos talons dans le sol. Ici, petit, 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 petit. Ça fait 10 secondes. Restez bloqué. Stop. Vous devez aussi le sentir dans le bas du dos, c'est normal. C'est la fin de la sangle abdominale. Petit, 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 petit. 4, 3, 2, restez bloqué. Ouais, 30 secondes, il reste à peine 10. Petit, petit. On va le refaire une deuxième fois. 4, 3, 2, relâchez. Si vous avez besoin d'arrondir un petit peu, pas de soucis pour les fessiers, pour le bas du dos, il n'y a pas de problème. Hein. Allez, 10 secondes. 10 secondes, vous pouvez secouer, secouer, et on y retourne. Pour un peu plus de travail, n'hésitez pas à rapprocher vos talons des fessiers. Et je veux que toute la pression soit là, dans ces talons. Verrouillé. 5, 6, 7, 8. Lentement, en haut et en bas. En haut. Et en bas, encore. En haut. Plus vous poussez dans les talons, plus vous montez, plus vous travaillez l'arrière du corps. Et d'ailleurs, pour aller un petit peu plus loin, serrez les fessiers à la montée. Volontairement, on les serre. Ouais. 30 secondes. Allez, go. Stop. On appuie sur vos épaules. Essayez de monter. Monter. Et là, les petits. 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 Comme s'il y avait un poids dessus qui nous oblige à repousser le sol. Restez bloqués. Tout ça, c'est serré. Petit. Petit, 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 petit. 4, 3, 2, troisième fois, restez bloqué. Vous devez le sentir. 4, 3, 2, allez, petit. Ça fait deux fois au total d'exercice. Jamais 203. 5, 6, 7, 8, relâchez tout. Ah, si vous en avez besoin, il n'y a pas de problème. Venez terminer le travail du grand fessier maintenant. Ensuite, place aux abdos. Donc, dernier exercice. Et après, c'est bon pour le grand fessier. Replacez-vous. Dans rien. Dans le sol. Serré. Vous connaissez le travail de suite. Allez. 4, 3, 2, 1. Montez. Montez. En bas. En bas. Montez. Montez. En bas. En bas. Pa, 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 pa. Ouais. Ouais. Plus 4. Ouais, ça donne envie de bouger. Ça donne envie de travailler. Se dépasser aussi, d'aller plus loin que ses limites. C'est là qu'on progresse, quand ça fait mal. 30 secondes. Allez, go. Loin. Allez, on essaye d'aller un petit peu plus loin que tout à l'heure. Petit. 4, 3, 2, 1. Stop. Deuxième fois. Sur 3. On sent. Ah, c'est contracté. Petit, 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 petit. Une dernière fois. Nickel, nickel, nickel. Il vous reste exactement 5 à 10 secondes. Pas plus, pas plus, pas plus. Allez, 4, 3, 2, 1. Stop. Relâchez tout. Travaillez les abdos. Si jamais c'est un petit peu dur. Si à la fin vous voulez faire des stretch, du stretch, des étirements, on a fait une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à la voir, à la regarder, à la faire. Allez, travail des sangles, la sangle abdominale, plusieurs exercices, pareil, congestion musculaire, de petits mouvements. On commence par du crunch classique. Je vais sur du classique ici, là. Ici, les mains juste à côté de vos oreilles. C'est le meilleur travail pour ne pas tirer sur la tête. Venez mettre les mains à côté de vos oreilles. Par contre, ça vous oblige à travailler un petit peu plus dur ici. Nickel, c'est ce qu'on veut. Ici, j'enlève la main, c'est pour vous regarder. On plaque l'ombaire dans le sol. Et on monte, en bas, en bas. Montez, montez, en bas, en bas. Montez, montez, en bas, en bas.
Allez, courage. Il nous reste quoi? 5 minutes. On a presque fait le plus dur. Presque. Allez, pour 4. 3. En écrasant le lombaire dans le sol, on contracte ses sangles abdominales. On monte. Allez, statique. Stop. Essayez de relâcher l'eau du corps sans tirer. C'est pour ça que je mets les mains à côté. Petit ici. Petit. Est-ce que vous arrivez à décoller vos épaules du sol? Restez bloqué. Stop. Allez, encore. On y reste. On tient grâce à ça. Petit. 4, 3, 2, 1. Ça fait 20 secondes. Sur 30. Restez. Ouais, c'est relâché. Ça, c'est fort. Allez, petit. Allez, pour 4, 3, 2, pause. On reste sur le même muscle, le même sangle abdominal là. On essaye d'enrouler les jambes. Rassurez-vous, je vais pas mettre des petits. C'est très dur ici. Par contre, il se peut que je mette du statique, les jambes tendues. Ça, c'est possible. Ici, relâchez les mains et vous enroulez. Vous déroulez. Si vous êtes plus à l'aise, vous les mettez derrière la tête. Enroulez. Moi, ce que je veux, c'est un mouvement bien rond à la montée comme à la descente. Ici. Hop. En restant plaqué dans le sol. Hop. Allez, encore. 4. Puisqu'on aura le temps de progresser, on va mettre du statique. J'en ai parlé. Allez, 10 secondes, c'est tout. Tendez, restez bloqué. Stop. Maintenant, vous n'avez que 10 secondes. Donc, à quel niveau tendez-vous vos jambes? Moi, ce que je veux, c'est plaquer. C'est tout. 4, 3, 2, 1, relâchez. Ok. Un petit peu d'oblique. Même principe. Ici. D'un côté et de l'autre. Ouais. Allez, lent sur un côté. Lent. Et de l'autre côté. Lent. Pourquoi lent? Ça nous permet de monter d'un côté, d'avoir de l'amplitude. 4. 3. 2. Choisissez un côté. Montez. Stop. On contracte celui-ci. On se rapproche. L'épaule, le genou, sur le côté. 4. Ne changez pas de côté. Restez sur celui-ci. Petit ici. Petit. Encore. 4. 3. Bien sûr, vous perdez quelques secondes, mais changez de côté. Stop. C'est pas parce que j'ai le dos tourné que je fais pas. Restez avec moi. Petit. On les met. Maintenant, allez, go. Hop. Ce que je vous propose derrière ça, pour finir cette première grosse séance sur le travail du gale musculaire, stop, c'est de leur faire une deuxième fois là. Les obliques. Oui. Allez, les mains. On relâche, on verrouille. 4, 3, droite, gauche, lent. Montez, en bas, de l'autre côté. Montez, relâchez. Montez. Hop. Allez, juste pour finir, un petit peu plus d'amplitude, un petit peu plus de hauteur, un peu plus de travail, un peu plus de dessin musculaire. 4, 3, 2, 1. Choisissez le côté. Stop. Hop. Allez. Comme si vous veniez vers moi là. Si vous êtes de profil. Si vous êtes face. Vous allez sur le côté. 4. 3. Ne changez pas. Ne redescendez pas. Petit. Allez. Restez. Encore. 4. 3. 2. Statique de l'autre côté. Stop. Restez. Allez, même si c'est le dernier, ne trichez pas. Vous y restez. Il vous reste quoi? Il vous reste 10 secondes.
vous mettez là des petits maintenant. Petit, 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 petit. Allez. Mais vous êtes en train de me dire, vous êtes en train de vous dire, 4, 3, 2, relâchez tout. Vous êtes en train de vous dire, ouais, on a fait dessus, là, c'était dur. La partie inférieure, les jambes, c'était court. Et ouais, je suis d'accord avec vous, c'était court. Donc on finit avec ça. Relâchez tout, les jambes. Enroulez. Et je finirai avec ça. Enroulez, enroulez et descendez. Vous aurez juste 10 secondes de statique comme tout à l'heure. Allez, il reste 4. 4. 3. 2. Définissez votre intensité. Jusqu'où pouvez-vous tendre les jambes? 10 secondes. Allez, stop! C'est la première vidéo. La deuxième. La troisième. La quatrième. Et ouais, pourquoi pas. 4. 3. 2. 1. Ok, relâchez tout, vous l'avez fait. Récupérez vos genoux. Bravo pour ce premier cours sur le galbe, sur le dessin musculaire. Première vidéo d'une longue série pour préparer l'été. Vous l'avez fait une fois, n'hésitez pas à la refaire, à venir vous étirer, à refaire les anciennes vidéos, il n'y a pas de problème. Le petit pouce qui fait plaisir si vous avez aimé le cours. Abonnez-vous, ça fait vivre la chaîne. Partagez, faites vivre, amusez-vous, travaillez. Et je vous dis à très bientôt. Bon travail, bravo.